Salut, c'est Romy, c'est reparti pour un épisode de Mode in France, un épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui on va pas bricoler une console ancienne, mais on va plutôt s'intéresser à mon drone que j'ai eu la bonne idée de faire tomber dans la flotte pendant mes vacances. En fait, il n'est pas vraiment tombé, mais je faisais du rase-mode sur une piscine et il a touché à l'arrière comme ça. Ça a bien tapé, j'ai réussi à remettre les moteurs, mais en fait j'ai les deux moteurs arrière qui ont commencé à déconner complètement. Il est parti en tonneau à l'extérieur de l'eau, et après l'avoir bien laissé sécher, quand j'ai essayé de le redémarrer, impossible de redémarrer les deux moteurs arrière. J'ai bien le contrôle des moteurs avant et j'ai eu surtout un dégagement de fumée à l'arrière. Alors je ne sais pas si c'est les moteurs qui sont morts, je pense plutôt que c'est les contrôleurs de vitesse en fait qui sont situés ici et ici, les contrôleurs de vitesse des moteurs individuels, il y en a un pour chaque moteur. Donc j'ai acheté des composants, on va essayer de réparer tout ça. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais en fait on sait jamais. J'imagine que ça pouvait vous intéresser. Bah c'est parti. Voilà. Alors, on voit ici que en fait la partie supérieure de la coque est accrochée ici par deux petits plugs qu'il faut enlever. Voilà, comme ça, c'est parfaitement détaché. Donc, voilà l'intérieur de la bête. Donc, a priori, j'ai des problèmes sur ces deux parties-là. Et en fait, les deux parties qui ont chauffé et à mon avis qui sont mortes, c'est ici et ici. Et en fait, ce sont les contrôleurs de vitesse. Là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'image, mais clairement, j'ai une pièce qui est cramée. Donc voilà. Après, quand j'ai testé, en fait, j'arrive à contrôler. Enfin, je pense que la borne principale est en bon état parce que j'arrive à l'allumer. J'arrive également à contrôler la vitesse. J'ai juste pas de réflexe. J'ai juste pas de réponse des moteurs arrière. Donc, soit en fait, c'est juste ces pièces-là qui sont mortes et je les change et ça fonctionne. Les moteurs, j'ai pas vraiment de moyen de savoir s'ils sont en bon état. J'en ai acheté d'autres au cas où en remplacement, mais pour l'instant, je vais déjà essayer de remplacer ces deux pièces-là et on va voir ce que ça donne. Donc ce qui est pas mal avec les marques chinoises en fait, c'est que on trouve facilement les pièces de rechange. Donc vous voyez là, je me suis acheté deux moteurs. C'est pas les mêmes hein, puisque il y en a un qui est en position, dont les vis sont dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans le sens inverse. Donc c'est deux moteurs différents, deux sens différents. Il faudra pas que je me trompe. Et là, c'est mes deux pièces de rechange. C'est exactement les mêmes. Hein. Je pense que, alors avec la Chine, on sait jamais, surtout quand on commande sur AliExpress, mais je pense que c'est l'officiel. En tout cas, c'est exactement les mêmes pièces. Elles ont exactement la même tech, donc ça devrait aller. La première chose que je vais faire, en fait, je vais vérifier déjà que ma board envoie bien 8 volts sur chacun des composants. Je suis à peu près sûr que ça va être le cas, mais je préfère quand même vérifier. Donc je l'allume. Voilà, vous voyez qu'il s'allume sans problème, donc je suis sûr que c'est bon. Vous voyez, j'ai un échappement de fumée là, toujours sur cette pièce, donc elle est morte, c'est sûr. Elle crame au fur et à mesure. À chaque fois que je l'allume, elle crame un peu plus. Alors voyons. 7,96 V. Et 7,96 V. Donc déjà, j'ai pas de problème avec au niveau de l'alimentation électrique. J'en vois bien 8 volts sur chacune. Donc ça m'indique quand même qu'il y a une forte chance que ces deux pièces. On voit que celle-ci clignote. Donc ça, c'est pas normal, déjà. Celle-ci clignote. Celle-ci, ce composant-là est manifestement cramé. Donc j'ai quand même un très très bon espoir que en changeant ces pièces, ça remarchera. Voilà, donc je vais commencer à dessouder. Donc on voit, hein, l'alimentation, elle vient la prendre ici pour les deux arrières. Donc c'est ici qu'on va dessouder. L'idée de faire ça, en fait, c'est d'avoir des pattes bien propres après. En plus, comme il y a eu probablement des dommages liés à l'eau, ce qu'on veut faire, c'est retrouver bien
des pattes propres, des traces propres et pouvoir les pour pouvoir ressouder proprement après avec de la vraie bonne soudure. Là, on est pas mal, c'est propre. Ensuite, ce contrôleur, il vient chercher ses informations ici dans cette pièce. Alors, les amis d'Obsan, en fait, ils nous foutent partout cette espèce de glu là, je sais pas ce que c'est. En enlevant, ça peut résister un petit peu. Je vais mettre un petit coup de scalpel. Ouais, évidemment. Voilà, ça s'en fait un. Donc voilà, cette pièce, elle est complètement partie. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, impeccable. Donc voilà, cette partie-là, elle est complètement enlevée. Donc maintenant, la question, en fait, c'est est-ce que j'essaye de récupérer les moteurs ou pas, en sachant qu'ils peuvent être endommagés. C'est un choix un peu cornélien, d'autant que j'en ai acheté des nouveaux. C'est pas le prix que ça coûte, mais enfin, c'est en même temps, c'est dommage de. Je crois que je vais essayer avec les anciens moteurs, et si ça marche pas, j'en mettrai des nouveaux. Donc, on va remettre le moteur droit ici. Donc le rouge, le positif était là. Le négatif à gauche et le contrôleur au milieu. Ensuite, les deux câbles d'alimentation qui vont aller se mettre là. Le contrôleur qu'on va faire passer par en dessous. Le remettre tout de suite si je peux. Voilà, ça c'est remis. Ben voilà, tout est prêt, je vais pouvoir retester, je vais remettre quelques éléments en place parce que sinon ça va être le bordel. Mais en tout cas, si les moteurs marchent, normalement j'ai mes nouveaux éléments et ça devrait aller. Bon, après rebranchement, ça semble pas mal. Les nouveaux contrôleurs de vitesse se sont bien activés. Évidemment, je peux pas tester les moteurs pour l'instant. Il va falloir que je remonte complètement le drone et que je lui remette son. Parce qu'en fait, la partie compas est contenue dans le haut de la coque. Donc c'est impossible de tester complètement maintenant, il va falloir que je le remonte. Passer quelques câbles encore, bon là vous voyez j'y suis presque, il y a juste les petits câbles mais ils sont très fins des contrôleurs donc ça devrait aller. Donc je remonte ça et ben après on teste et on voit si ça marche. Voilà, le drone est remonté. Enfin en partie, j'ai pas mis toutes les vis parce que ça servira à rien du tout. J'active ma télécommande. Je remets la batterie dedans. On va pouvoir démarrer les moteurs. Ça a l'air très très bien. Je pousse le moteur.
Bah écoutez, ça a l'air parfait. Maintenant, je vais remettre les hélices. Je vais le tester dehors pour voir si ça marche bien. Mais en tout cas, j'ai une bonne réactivité des quatre moteurs. Donc, ça veut dire que les moteurs n'étaient pas en panne. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. J'en ai acheté pour rien, mais enfin bon, ça servira toujours. Voilà, je vais finir le revissage, remettre les hélices et puis c'est parti. Bon, bah voilà, ça vole, c'est réparé. Je vais essayer de pas me couper la tête quand même si je peux. Bon, vous avez vu, hein, une vingtaine d'euros pour réparer le drone. Une vingtaine d'euros de composants. Ceci dit, si vous pouvez éviter de le mettre dans l'eau comme moi, ça sera quand même une bonne idée. Et puis, bah voilà, il n'y a plus qu'à s'amuser. On va essayer de le faire voler. Et puis, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange ou moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent.